t'as des balles, ton fusil dernier modèle, ton couteau et ton leurre et ton vaisseau de chasse et ton chien d'arrêt et tout cet accoutrement à la gomme. Et moi j'ai quoi, hein? Tu crois que je me balade avec un gilet pare-balles? Ah! J'avais oublié celui-là. Ça te dirait de me rencontrer en combat loyal, le sportif? Égalité parfaite, homme à homme, en respectant les règles de la boxe anglaise, hein? Là, ce serait différent. Oui, tu crânes moins subitement, oui. Tu vas pouvoir montrer tes vrais talents, le sportif. Tu vas pouvoir découvrir les miens, oui. Tu trembles, carcasse. À nous deux. Mesdames les cannes et messieurs les canards, dans le coin droit du ring... Je vous présente un échantillon bipède dénaturé. Ah oui, j'ai nommé. Elmer, le food. Salut à tous. Né dans l'autre coin du ring, un canard qui n'a plus besoin d'être présenté au public, notre grand héros, le dieu du stade et du ring, le grand sportif exemplaire, le champion des champions, votre ami et le mien. Voici donc le bien-aimé Daffy, qui aime sa maman canard. À vous les garçons, je veux un beau combat. Hein? Oui, un beau match! Pas de coup bas, pas de ça, ni de ça, ou de ça, ni ce genre-là, ça non plus, ni ça, ou ça. C'est compris? Oui, et les coulins sont interdits. Et oui! Et oui! Et ces coulins sont aussi exclus, hein? Absolument proscrit. Vous savez, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce combat. Mon maître m'a toujours dit que j'avais un sacré flair. Ça transpire l'arnaque. C'est curieux, t'as l'air sonné, champion. C'est pas le moment, mon vieux. Il faut que tu me mettes KO. Allez, vas-y, donne le meilleur de toi-même. Montre-lui que t'es un champion. Mais t'as plus rien sur le caillou. Tiens, j'ai une lotion revitalisante pour toi. Serrez-vous la main. Je vais choisir quelle main. Celle-là. Non. Faux. T'as une deuxième chance. D'accord. Je choisis celle derrière le dos. Quel nigo, cette Elmer. T'es sûr que c'est celle que tu veux? Non, oui. T'as raison. C'était la bonne. Et le premier round va commencer. 1, 3, 5, 8, 9, 10. Le gagnant est grand champion Daffy Duck. Je n'ai pas l'habitude de me plaindre, monsieur l'arbitre. Mais j'ai cru que vous aviez dit pas de coup bas. Pas de ça, ou bien ça, ou alors ça, et surtout pas de ça. Ou ça, ni ça, ni ça, ni ça. On affiche complet. Hôtel McPee.
agence immobilière. Mais bonjour, mais comment ça va là? Comment ça va? Oh là, vous cherchez à vous loger, hein? Oh, mais il n'y a pas de problème, il n'y aura aucun problème, ça là. Nous avons les très beaux petits nids pour les petites merveilles pour vous deux, hein? Ça, tout là-haut, hein? Ça très bien. Ah, merci, merci là. Vous le faites une affaire, ça n'est pas cher, ça. Vous l'adorez. À Louis. Tu penses vraiment que je vais vivre dans cette vie? Attends! Tu as vu les Datsunis? Coupe-moi donc! Je n'accepterai jamais de commencer, chérie Poudrillon! Je t'aurais prévenu, je... C'est toujours la même chose avec toi, j'en ai même peur! Tu es meilleure pour toutes les surveillettes que moi! Je ne t'aimerais pas! Et plus! J'en ai marre aussi qu'à me dire! Mais il y a même des choses! Et attends une minute, je vais lui donner l'honneur! Dites-moi, les amis, le vieux m'a demandé de vous demander si vous ne pouviez pas la mettre un peu en veilleuse. Il essaie de dormir, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que si tu t'occupais de tes affaires, ils s'occuperont des leurs. Qu'ils n'en peuvent plus, j'ai des affaires, je retiens, tu cours ta vie, t'es qu'un là. Chut. Oh. Oh, les sales bêtes. Oh, alors voyons vers. Plus près. Bonsoir, mesdames et messieurs. Votre attention, s'il vous plaît. Ceci est un scoop. Écoutez bien. Avez-vous des filles chez vous? Si c'est le cas, vous avez beaucoup de chance. La fille est l'oiseau le plus charmant du monde. Elle est la meilleure amie que le fermier ait jamais eue. Traitez-la gentiment, soyez amicale et surtout rappelez-vous, la fille mérite votre confiance. Salut la compagnie! Oh, oh, je m'en vais descendre! Oh, le calmette! Oh, je l'aurai, je le jure! Messieurs, j'ai un petit article qu'il vous faut, la garantie contre les maux de tête. Hein. Maintenant, je vais te dire ce que je vais faire. Non, mais j'ai pas mal à la tête. Oh, mais si t'as mal, eh, banane. Qui sait ce qu'il arrivera ensuite? Le spectre, lui, le sait. Thank you.
vous demander à ce fichu voisin de faire un peu moins de bruit.